بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، mes frères et sœurs، أبنائي بناتي، mes fils et mes filles، أصدقائي صديقاتي، mes amis et mes amis، أعدائي عدواتي، mes ennemis et mes ennemis. Apaisez-vous. Je vais faire la grimace, attention. Apaisez-vous. Soyez honnête, sincère, craignez Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, vous les musulmans. Qu'Allah nous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulmans? Simple, aussi direct, aussi expéditif que ça. Vous méritez l'islam si vous êtes sincère. Soyez sincère et vous le mériterez. Cercle vertueux. Tu es sincère, tu mérites l'islam. Tu n'es pas sincère, tu ne mérites pas l'islam. Clair, net et précis. Lancez la recherche de manière sincère, avec une bonne volonté, tout en récupérant vos cerveaux, vos cœurs, vos âmes, de ceux qui vous manipulent, de chez ceux qui vous manipulent. Ça marche, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Toujours dans la même série, les miracles de Muhammad. Je répète toujours votre postulat de base, Muhammad a inventé le Coran. Un imposteur, un escroc qui a inventé le Coran. Pour résumer, je rappelle qu'il est né en 570, il y a plus de 1400 ans. Et il est mort en 632. Il a vécu dans un endroit qui n'existait pas dans les annales de l'humanité, la Mecque, et à 40 ans, il a prétendu, d'après vous, être prophète. À ce moment-là, c'était quelqu'un, lui, qui passait beaucoup de temps dans des retraites spirituelles. On l'appelait Sadrul Amin, l'homme véridique, le loyal, c'était son surnom, tout le monde l'appelait comme ça, Sadrul Amin. Il préférait s'isoler dans une grotte, Ghar Hira. Il contemplait dans la grotte Hira. Un jour, Jibril, l'ange, s'est manifesté à lui. Et il est venu lui annoncer qu'il était le messager d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité. Il rentre chez lui, imaginez cette rencontre. Il rentre chez lui, vraiment très perturbé, il avait vraiment peur. C'est une expérience extraordinaire, lourde aussi, pesante, dure pour un humain. Et donc il rentre. Et quelqu'un, subhanallah, lui dit la chose suivante. Cette personne lui dit, n'aie pas peur, Dieu ne te mettra jamais à mal, Dieu ne te fera que du bien, car tu aides tes proches. Tu soutiens ta famille, tu gagnes honnêtement ta vie, tu maintiens les autres dans la droiture, tu donnes asile aux orphelins, tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts, tu secours ceux qui n'ont rien, tu fais du bien aux pauvres, tu traites tout le monde avec courtoisie. Cette personne parle de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette image de Muhammad, vous ne l'avez jamais entendue. Donc imaginez un escroc, un imposteur, avant même qu'il prétende qu'il était prophète, il était décrit comme ça. Par qui? Par une personne qui a partagé sa vie pendant 15 ans. Son épouse, Khadija. Il s'est marié avec elle alors qu'il avait que 25 ans. C'était sa première épouse. Lui avait 25 ans et elle avait 40 ans. Donc ils ont partagé 15 ans où elle a eu le temps de l'observer. Et c'est même elle qui l'avait demandé en mariage, elle avait 40 ans, c'est elle qui l'a demandé au mariage parce qu'il travaillait pour elle. Dans ses caravanes commerciales, il travaillait pour elle. Donc quand la personne qu'il a envoyée pour l'accompagner dans le commerce lui a raconté toutes les merveilles
comportement, toutes les merveilles comportementales, toutes les caractéristiques étonnantes et uniques de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Maïsara a raconté à Khadija. Maïsara, c'est l'esclave de Khadija qui a accompagné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant le voyage de la caravane commerciale, pendant le voyage commercial. Quand il a raconté ce qu'il a vu de ses propres yeux, des comportements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout au long du voyage, elle n'a pas pu s'empêcher de le demander en mariage. Elle qui était très riche, elle qui avait déjà connu deux maris avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait même des enfants de ses premiers maris. Elle l'a demandé en mariage. Donc elle a partagé avec lui 15 ans, elle a eu le temps de l'observer. Et elle le résume comme ça. N'aie pas peur, Dieu ne te mettra jamais à mal, Dieu ne te fera que du bien, car tu aides tes proches, tu soutiens ta famille, tu gagnes honnêtement ta vie, tu maintiens les autres dans la droiture, tu donnes asile aux orphelins, tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts, tu secours ceux qui n'ont rien, tu fais du bien aux pauvres et tu traites tout le monde avec courtoisie. Vous avez déjà entendu quelqu'un décrit de cette manière? Ça ne couvre pas les rues, même dans notre époque à nous, où il y a la richesse, où il y a l'argent, il y a tout ça. Vous avez vu la bassesse des gens. Vous avez vu votre propre bassesse. Est-ce que quelqu'un peut vous résumer, vous, comme ça? Si je demande à votre épouse, à vous, à toi, de te décrire, qu'est-ce qu'elle va dire? Ben, moi, je reçois des lettres des épouses, même de musulmans barbus, parfois même d'imams. D'accord? C'est catastrophique, la situation des humains, des musulmans et des humains en général. Toi, femme, est-ce que ton mari peut te décrire de cette manière-là? Alors que lui, attention, il y a plus de 1400 ans, dans un monde bizarre, où il y a l'injustice, où il y a les méchancetés, où il y a les guéguerres, où il y a les polémiques, où il y a la haine, où il y a l'usure, où il y a le fait d'enterrer les filles vivantes, où il y avait beaucoup de choses bizarres, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un être humain unique, caractérisé par ses comportements que son épouse a décrits. Donc même avant qu'il soit prophète, il a été façonné par Allah, il a été élevé par Allah subhanahu wa ta'ala dans un niveau très élevé d'excellent comportement. Ça mérite de l'écouter encore. Regardez Khadija, son épouse qui a partagé 15 ans de sa vie. Elle lui dit quoi au moment où il est rentré? Il avait peur. Zanmilouni, Zanmilouni, couvrez-moi, couvrez-moi, il disait, parce qu'il a vécu une expérience unique dans l'histoire d'un humain, ou même de l'humanité. Il a rencontré Jibril qui est venu lui annoncer qu'il était prophète. Donc il rentre, couvrez-moi, couvrez-moi, il avait peur. Et Khadija lui dit, n'aie pas peur, Dieu ne te mettra jamais à mal, Dieu ne te fera que du bien, car tu aides tes proches, tu soutiens ta famille, tu gagnes honnêtement ta vie, tu maintiens les autres dans la droiture, tu donnes asile aux orphelins, tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts, tu secours ceux qui n'ont rien, tu fais du bien aux pauvres et tu traites tout le monde avec courtoisie. Comment il a fait pour être comme ça? Comment? Est-ce que quelqu'un comme ça peut être un escroc, un imposteur? Alors que les koufars, les mécréants, les associateurs de son époque l'appelaient As-Sadiqul Amin, le véridique, le loyal, l'honnête. Il était connu et reconnu par tout le monde comme une référence morale. Et même quand ils ont failli, les Mécois s'entretuer, les Qurayshites s'entretuer, à l'époque de la construction de la Kaaba, d'accord, ils ont dit, ils l'ont vu, ils ont dit, ah, Sadiqul Amin, c'est lui qui va résoudre le problème. Ils devaient savoir qui devait poser le Hajar al-Asad, la pierre noire, sur le Kaaba, à l'endroit précis pour le Kaaba. Donc ils ont failli s'entretuer parce que chaque tribu voulait avoir l'honneur de la porter elle-même. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit, c'est bon, c'est lui qui va résoudre le problème. Donc ils lui ont fait confiance pour résoudre le problème. Et il leur a dit, mettez le Hajar al-Assad dans un tissu, et chaque tribu, chaque représentant de tribu, porte une partie de tissu. Comme ça, tout le monde l'aura porté. D'accord? Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dites-moi comment. Comment il a fait? Qui est derrière? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.